Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la révélation, la big révélation de mon projet secret sur lequel je bosse depuis 10 ans, ça fait 10 ans, une décennie entière que je bosse sur ce projet. Autant vous dire qu'il y a eu pas mal de rebondissements et j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas vous faire croire que c'est facile. C'est-à-dire que même moi je veux enfin savoir ce que c'est. Ouais ouais. Ça c'est les haters. Ils restent sur la berge, ils restent sur le côté. Hein. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas vous faire croire que c'était facile de faire un projet comme ça, que hop ça sort, vous voyez que le résultat. J'ai décidé de vous partager le processus. Donc ça a commencé il y a 10 piges, hein, où j'avais imaginé avant tout le monde. Des vidéos face cam, d'humour en fait, où je décortiquerais un sujet niche du quotidien. Ouais, Norman quoi. Du coup, j'avais fait une vidéo fleuve sur les échecs. Les échecs, le jeu, hein, pas tout raté. Je vous laisse voir ce que ça avait donné. Enfin, qui avait gâché le projet, quoi. Quand on pense aux échecs, on est tous d'accord pour dire que c'est un jeu ultra pacifique. Faux ! Opposé de vrai ! Bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Quand on y pense, imaginez la violence du truc quand on est un petit pion blanc qui se fait dégager par un gros cavalier. Nous les blancs, on a plein de privilèges. Par exemple, on passe toujours en premier, ce qui a le don d'agacer les noirs. Pas vrai les noirs? Viens. Non mais Camille, je le sens pas. Attends, mais viens dire ta réplique, putain. Ouais, mais avec le maquillage, on est en 2021. Mais c'est mon sketch, j'ai fait ton OnlyFans et tout là. Ouais, mais sur Twitter, je vais pas te buzzer, mais... Allez. Nous les noirs, non, non, vraiment, je peux pas. Bon voilà, ça aurait pu marcher si Clément avait mis un peu du sien, quoi. Bon, après ça, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire, Camille, qui soit inédit, jamais fait, choquant, violent, sexuel? Et je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast de blabla entre potes. Assez vite, un problème s'est posé, c'est que j'avais pas de potes. Au final, j'ai assez vite abandonné. Mais je me suis pas laissée abattre. Je me suis dit, Camille, qu'est-ce qui buzz? Je me suis dit, les gens connus. Qu'est-ce que je peux faire avec des gens connus? Les faire parler d'eux, ils adorent ça. Ah, c'est clair. Ouais. Du coup, j'invite des gens connus dans mon lit pour qu'ils parlent de dans mon lit, tu vois. Ouais, c'est, tu gardes ce truc intime que tu voulais dans le truc d'avant, là. Bah, c'est ça. J'ai recyclé, en fait. Et je me suis dit, parfait, comme ça, j'agrandis mon carnet d'adresses. Les gens connus, ils font ce qu'ils aiment, c'est-à-dire parler d'eux. Et les gens adorent ça, quoi. Ils adorent voir des vedettes parler d'eux. C'est win-win. Et du coup, t'as qui comme star dans le pilote? C'est... J'ai beaucoup plus de mal à bander qu'avant, quoi. Comment ça va, Romain? Écoute, ça va bien. Je suis content, heureux, tout se passe plutôt bien en ce moment dans ma vie. Ok, comment ça va vraiment? Ah... Ouais, c'est pas pareil. J'ai un petit peu plus de mal à bander qu'avant, quoi, en ce moment. Je sais que je kiffe encore bien les meufs. Genre, vraiment. Je vais voir une paire de seins, un beau cul... Je sais que ça va me... Tu sais, ça va me faire quelque chose, quoi. Je suis pas insensible, mais genre, vraiment. Mais quand je commence un peu à descendre les mains et tout, je vais, tu sais, je vais aller me caresser un peu les couilles, quoi, et... C'est pas comme avant, quoi. Genre, je me touche un peu les burnes et ça me fait un peu des guilis, si tu veux, mais c'est pas le même délire qu'avant, tu vois. Après, normal, classique, je remonte un peu, tu sais, sur la tige, tu vois. Et genre, je fais des va-et-vient, tu sais, je me frotte un peu, mais genre, tranquille, comme je faisais avant, tu vois. Et je sais pas, ça me fait rien. Genre, je vais même, tu sais, presser un peu la tige ou quoi, mais ça me fait pas grand-chose. Donc là, genre, je commence à descendre, genre, je prends mes deux mains, tu vois ce que je veux dire? Et genre, je me mets les mains, tu sais, sur l'aine, tu sais, dans l'aine. Et je me caresse comme ça, tu sais, en remontant, en descendant, en remontant, tu vois ce que je veux dire? Mais, c'est quoi, c'est une demi-molle, quoi, mais à peine, quoi, vraiment au max, quoi. Et, ça, je te dis, c'est quand je regarde un porno, quoi, ou quoi. Hein. Mais sinon, je sais pas comment expliquer, tu vois le truc? Genre, tu vois? J'ai une vague idée. Ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses du up de 3% de résistance magique de Malphite dans le dernier patch de LoL?
Ah, ouais, c'est une bonne question. Bah, je lui donne la prio au mid laner, quoi, en fait. Donc, en fait, bah, si t'as un jungle AD carry, si t'as un mec. Ça dépend. Il va falloir voir ce que Faker fait, il va falloir ce que font les Akali main, il va falloir voir la présence de Garen, est-ce que ça va être compatible avec un Darius? Enfin, c'est assez compliqué. Là, c'est trop tôt pour le dire, mais à mon avis, ça va engager pas mal de nouvelles choses dans le. Tu me l'as pas demandé, mais je vais aussi te donner mon avis sur les Arabes. Parce que. Bref, j'étais pas convaincue par le format. J'ai bossé d'arrache-pied et maintenant je peux vous le dire. Le 20 juin prochain sortira mon tweet. Voilà, j'ai hyper émue de vous le dire. Je suis partie en résidence d'écriture de tweet et ça s'est hyper bien passé. Je suis hyper fière du travail accompli. J'ai pas voulu le sortir vulgairement, juste le tweeter. Donc j'ai fait une belle fête de lancement. Ah, c'était super. C'est hyper bien passé, ouais, ouais, c'était ouais. Une explosion de joie. Je vous laisse avec les quelques images que j'ai immortalisées. Potentiel là, franchement. Ouais, ah, je vous ai 10K like. Bon. Ah oui, bah on verra, on c'est verra. Largement réaliste. Parfaitement ouais. Atteignable. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Franchement, ouais, c'est top, c'est top. Excusez-moi, pardon. Ouais. Attention, le terrain, il est miné, attention! Le mec est dead. Ouais, il est mort. Donc on compte sur vous pour ne pas faire tourner ça en bad buzz, en shitstorm. C'est déjà assez dur pour nous. Parce que c'est presque nous les premières victimes dans cette histoire. Bon, on lui a dit qu'il y avait des mines. Hein. Après, il a pas fait attention. Mais. Il en a fait qu'à sa tête. Ouais, mais c'était quelqu'un de très têtu, de très. Voilà. Borné. Ouais, borné. Puis un esprit libre aussi. Mm. On lui dit pas ce qui, là où il doit pas marcher, quoi. Ouais. Et bon, bonne nouvelle, la maison est à nous. Ouais, ouais, c'est la bonne nouvelle. Mais, bon. Mais l'un dans l'autre, cet événement, ça nous a permis de prendre pas mal de recul et on en est arrivé à la conclusion que. Bah, on va pas la garder. Ouais, on va pas la garder parce que le carrelage de la salle de bain, c'est pas possible en fait. Mm. Il est laid et puis c'est des carottiments maison du monde 2012, vraiment pas Jojo. C'est pas au goût du jour et moi ça m'empêche en fait de penser au reste quoi, à tous les autres avantages. C'est-à-dire que moi, tu vois, il y a le jardin, il y a la rivière pas loin, il y a les autres pièces, mais non, je pense qu'au carreau de ciment dégueulasse de la salle de bain en fait. Mmh. Et moi c'est pas possible, ça me hante. Pareil. Et du coup, ben. Puis en plus on vient de perdre notre seul ami ici. Ouais, donc on a vraiment aucune raison de rester ici, quoi. Donc on va retourner vivre à Paris, c'est ça qu'on voulait vous dire. Ouais. On redevient parisien à partir de ce soir, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est la fin de ces vlogs. Merci ouais. D'avoir suivi tout ça. Moi, je supprime ma chaîne après cette vidéo. Voilà, j'aiderai Camille à supprimer sa chaîne après cette vidéo. Donc venez sur ma chaîne à moi. Moi, je vais continuer à envoyer du contenu, du contenu, du contenu. Voilà, faut bien vivre. Donc bah, à très bientôt. Hey, salut à vous mes très chers abonnés internautes, on se retrouve une fois de plus. Cette fois-ci, pas pour une recette, mais pour vous parler des burgers comme vous les aimez et plein d'autres choses. Allez, sur ce, ciao ciao, on se retrouve sur mon blog. Cliquez ici.